PEGI 18. Nous sommes le dernier rempart face au chaos. Notre ennemi est sans pitié. En aucun cas, nous ne pouvons nous permettre d'échouer. Le devoir avant tout. Alors, Pérez, ça bouge assez pour toi ? Octobre. Aix-la-Chapelle. Les Boches la défendent comme des forcenés car c'est la première fois que l'une de leurs villes est envahie par les Alliés. Ce ne sera pas la dernière. On pensait que la libération de Paris nous rapprocherait enfin de chez nous. Mais nos problèmes ne font que commencer. On se bat dans une ville à présent, Aix-la-Chapelle. Les Boches tiennent la ville avec désespoir. Je les comprends. On perfore la frontière ouest de l'Allemagne. Davis nous a ordonné de tout nettoyer, maison par maison. Il doit plus rien rester, comme il dit. Turner et Pearson sont incapables de s'entendre depuis qu'on est là. La fatigue commence à s'accumuler. Allez, c'est l'heure de la bouffe et des munitions. Je ne peux pas discuter mes ordres, c'est ça votre seule mission. Hé, remuez-vous un peu! Faut qu'on ait rejoint le QG avant la nuit! Hé, hey, j'ai trouvé ça qui traînait. Ça vient de ta femme. Je t'ai demandé de pas fouiller dans mes affaires. Quel genre de guignol ouvre pas son courrier? Le genre qui redoute une rupture? Regarde l'adresse, elle a écrit Daniel, c'est pas Red. Y'a pas 36 raisons d'être aussi formel. Désolé mon vieux, mais je crois qu'elle te largue. Eh, c'est peut-être comme la lettre de Schrödinger, tu sais? Tant que tu l'ouvres pas, ça reste ta copine. Comme la lettre de Schrödinger, hein ? Bah quoi ? Ça suffit, les conneries ! On doit être au théâtre municipal demain à 7h30. Faut croire qu'on a tous nos limites. Sans exception. À tort ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort. Ils disent être là dans 10 minutes. C'est pareil que 10 heures. Lieutenant Turner, il nous faut des plaintes et des... couvre notre flanc. Bouclez la douce et laissez-moi réfléchir, mon Dieu. J'ai le temps pour ça, chef. Bon, Daniel, toi et Aiello au téléphone avec Pearson. Vite. Allez, c'est parti. Daniel, vite. Bon, j'y vais. On est sous le feu! Demandons appui immédiat sur ligne phase 2, à vous! Bien sûr, mais ça va nous exposer sur le plan! Ok, ramenez vos fesses le plus vite possible! Bien compris, on se met en route! Et maniez-vous, c'est pas que nous réduisons en charpie! Terminé! Bon, les gars, direction le Stadttheater, la première section, position ennemie inconnue! On bascule en communication par radio et interphone. Radio activée. Abson, cours par la droite pour rejoindre le théâtre. À droite devant. Bien reçu, Pérez. Abrams, Poole, restez en position ici avec la seconde section. Couvrez ce flanc jusqu'à notre tour. Bien compris. Ça marche, Pérez. Restez vigilants et faites gaffe aux fantassins aux fenêtres. Ok, Abson, en route. Cours!
dessus. À l'étage, droit devant. Rapson, je suis désolé. Pour un pistol. C'est un tigre. Attirez-le. On doit viser ses flancs. On a un autre Panzer ici aussi. Au but. Sortez de sa ligne de visée.
fermé en plein flanc. Ils sont en ligne de mire.
doit les retrouver. Je les tire. Restez hors de portée. Char ennemi hors de combat. Rejoignons la colline d'où venait le tigre. Le théâtre devrait être au sommet de cette montée. D'un coup de voix et de 7 à Villa. On tiendra pas plus longtemps. Villain à Dagwood White 2-7. Ramson s'est fait descendre. Il reste plus que nous. Nous sommes en route. Grimpez-moi cette colline. C'est parti, je suis ici. Et après, juste à côté. En direction de l'hôtel Allendorf sans soutien blindé. En route! Ok, c'est parti. Cet hôtel est un bastion nazi depuis des semaines. On doit le prendre si on veut récupérer la ville. Ça serait plus simple si on avait quelques chars avec nous. Pérez doit maintenir sa position. Nous allons ouvrir la marche, soldats. Surveillez les fenêtres. Gardez un œil sur ces vitrines. C'est pas normal, c'est trop tranquille. Restez vigilants. Gardez votre calme. Restez à couvert. Accroche-toi, l'ami. Tu m'as sauvé la vie. Je t'en voudrais ça. C'est un piège à couvert. Retourner dans l'arbre. Ce mur a pas l'air solide. Daniel, ouvre un passage avec le lanceur.
À couvert. Daniel, utilise ce bazooka pour nous dégager un chemin. Descendez-les. Continue d'avancer. Chef, des munitions! Attention, Daniel! La voie est libre, restez sur le qui-vive. Le voilà, les gars. Daniel, viens jeter un coup d'œil. Oui, monsieur. Ça a l'air calme, mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniels, qu'est-ce que tu vois? Le ciel est dégagé. Nos bombardiers sont passés par là. Vous admirez le paysage, soldat? Qu'est-ce que vous regardez? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Pas de soldats sur le balcon. J'en vois pas ailleurs non plus. Ils doivent se terrer à l'intérieur pour renforcer leur défense. Ils misent tout sur cet endroit. On devrait pouvoir s'approcher sans rencontrer trop de résistance. Mais une fois qu'on aura atteint l'hôtel, il faudra qu'on s'attende au pire. On va d'abord devoir s'emparer de cet appartement. Il pourrait grouiller de poche. On va le nettoyer pour couvrir nos arrières avant de passer à l'hôtel. En formation! Daniels, Zussmann, vous ouvrez la voie. On y va! Restez sur vos gardes. Les appartements pourraient grouiller d'Allemands. À mon avis, ils sont dans tout le quartier. La voie est libre! En avant, restez vigilants. Daniels, on a encore besoin du lanceur. Gaffe, ça va péter! Tous de secours ici! Je vois rien du tout! Allemand en face! Descendez! Le passage est bloqué! Grenade! Je les vois pas! Restez baissés! La fumée se dissipe! Préparez-vous à tirer! Sécurise la pièce adjacente. Affirmatif. La porte est bloquée. Il va falloir se faufiler. C'est vraiment étroit. Moi, je passerai pas. T'as mangé trop de corned beef. Oh. Très drôle. Daniels, vas-y. Merde, merde. Aide-moi, s'il te plaît. Tu vas bien?
Ça aurait pu être pire. Les boches sont partout. Soyez discret. Ok, on y va. Alex, j'ai des grenades et des fumigènes si tu veux. Balance-les. Ça devrait suffire. Ce bahut nous bouche le passage. On va le pousser. Aiello, enlève le frein et prends le volant. Allez! Ouais, pigé! Daniel, sur notre tour de point. Saloperie! Les pneus ont l'air intact. Il reste de l'essence. La batterie a du jus. Il nous faut un véhicule. Maintenant, je crois que je pourrais le démarrer. Ta gueule, Einstein. Ok, on y va! Préparez-vous, les gars! Daniel, c'est encore un mur. Perce-moi ça! Mettez-les tous au tapis, d'accord? Reculez! Vous arrêtez pas! On doit nettoyer le hall! Sussman à droite! Aiello à gauche avec moi! Stein! À l'étage avec Pearson! Viens, Baptiste! Rassemblement devant Turner. La deuxième section ratisse les étages.
de vérifier le sous-sol. Avec moi. Restez groupés. Hey, Styles. J'ai trouvé la cachette parfaite pour toi. Va te faire voir. Ok, Daniels, à toi la porte. Lumière. Je vais gucken. Vielleicht haben sie etwas zu essen. On dirait un gosse. Quelqu'un a du chocolat? J'en ai. Je parie que vous avez faim. Allez, tenez. Anna! Tout va bien! On vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. À manger. Ma sœur, pitié, aidez-nous. Non. Les renforts Bosch peuvent arriver à tout moment. On n'a absolument pas le temps de materner des civils. Elles sont que deux. Chef, vous devriez venir voir. Ah, c'est parfait. Merde. On est passé devant un camion tout à l'heure. On pourrait revenir avec et les sortir de là. Sauf votre respect, notre mission était de sécuriser cet hôtel. Sagen Sie, wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich Je parle pas Bosch, ma belle. Ich spreche kein falsch Deutsch. Keine Sorge, alles wird gut. Tu parles Bosch? Et t'avais l'intention de nous le dire? Oh non. Bon, on va évacuer ces civils. Daniels, Aiello, allez chercher ce camion. Rendez-vous du côté ouest de l'hôtel. En route. Je me demande ce que tu caches d'autre, Erzusman. Foutez-moi la paix. Ah, jamais de la vie, soldat. Jamais de la vie. Je crois qu'on est seul sur ce coup, Daniels. J'en reviens pas que Erzusman nous ait pas dit qu'il parlait allemand. En fait, il est juif allemand. C'est juste qu'il voulait pas révéler son côté allemand. On a tous quelque chose qui nous fait honte. J'arrive pas à croire que vous faites 4 contre Box de Bosch. Il y avait un gosse. Des vieillards aussi. On peut pas sauver tout le monde. C'est des civils. On les renvoie vers l'arrière. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Plein de bahut. Allez. Ok. Je vais pas en avoir pour bien longtemps. D'accord. On te couvre. On dirait qu'il se replie. Allez, grimpe, vas-y. T'as réussi à le démarrer. Merci pour le soutien. Je me demande s'ils sont pas en train de se regrouper au nord. On doit avertir les squads. On doit tirer ces gens de là et vite. Ou alors, on tient la position. Trop dangereux. On risque d'être pris entre les échanges de tirs. C'est un peu tard pour ça, là.
Décide-toi. Pearson a raison, Daniels. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Ce sont des civils, ils ont besoin de nous. Traverse la zone et garde-le dans la rue. Oui, sergent. Chef, on peut pas rester là. Leurs renforts sont en route. Anna ? Anna ! Hey, où est-ce que vous allez ? Meine Schwester, ich muss zurück ! Qu'est-ce qu'elle dit, là ? Que sa sœur a dû retourner au sous-sol. Eh ben, elle peut y rester. On doit tirer tout ce monde de là. Allez ! Lieutenant, s'il Qu'est-ce vous plaît. Que je viens de dire ? Tu as 2 minutes ! Je viens aussi. Non, juste Daniel. C'est trop dangereux. J'ai besoin de toi pour couvrir le périmètre. Oui, chef. Dépêche-toi de revenir. À vos ordres. Hé, hey, petite, viens, retournons voir ta sœur maintenant. Ich hab Kasper gefunden. Viens là. Du kannst nicht entkommen. Chut, tout va bien. Wo ist der hin? Er versteckt sich. Den Keller durchsuchen. Bin dabei. Tout ira bien, je te le promets. Zeichen von Feinden. Wir sind nicht allein. Soldats, sofort wieder raufkommen! Merde! Merde! Nein, Kasper! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kasper!
Tu t'en sors très bien. On y est presque. Tu vas devoir être courageuse une dernière fois. Encore un petit effort. D'où est-ce qu'ils viennent? Pas le choix, faut y aller. Tu t'en sors très bien. On y est presque. Ah, pas par ici. Impossible de passer par là. Ça va aller. Je suis avec toi. T'en fais pas. Tirez de là. Conduis-la au camion, on te couvre. Compris. On fait le ménage. Mon Dieu, c'est Daniel. Daniel, par ici. Anna. Merci. Maman a dit que je dois m'occuper de Kaspar. Ils ne sont pas retournés. Ok, ils peuvent se débrouiller. En route. On les escorte à poids, c'est tôt. Pearson a raison. Si on vient avec eux, on risque d'attirer les tiens. Ça me paraît trop risqué. Soldats Sussman, on sécurise cette rue et on les évacue, c'est compris? Oui, j'ai bien compris, mais seul, je pense qu'ils seraient plus en sécurité. Si on laisse les Allemands reprendre cet hôtel, tous les nôtres dans le secteur seront en danger. On n'est pas à Catherine, là. On a l'avantage. Allez, faites-les monter, vite. À vous de voir. Tous à vos positions. On doit nettoyer la rue. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. Allez, venez. Fais gaffe!
Erika, fang auf! Elle est morte! Allez-y! Allez! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis les ordres, tout le monde retourne à l'hôtel! On bouge, on bouge, on bouge! Hé, hey, on peut plus rien faire. On a pris Aix-la-Chapelle, ouvert un passage occidental vers le Rhin. Mais le fossé entre Turner et Pearson est plus large que jamais. Et c'est bien plus que nos vies qui reposent entre leurs mains.